Ahí está. Vamos. Même chose, je viens, je commence à travailler. Hop, c'est la jambe, le gars il remonte. Je pousse sa tête à l'extérieur et je viens attraper. Je me mets comme ça vous allez voir. Je viens attraper et donc moi j'attrape tout le temps là, important, et je viens fermer le coude et recouvrir. C'est les trois points pour la guillotine. Je tiens et le gars, je le sens pas, je vais pas réussir à faire ce que je veux, la première. Donc, je vais juste faire ça, tenir, mettre le genou plexus, main au sol, et je vais mettre la pression comme ça. Ok, un mec faible il va taper, mais là lui il est pas faible, il va pas taper. Donc juste je vais faire ça. Pression. Derrière, normalement en principe c'était fermé au début. Derrière ma jambe droite. C'était fermé. Et donc quand je mets la pression, ça va aider à ouvrir. Boum. S'il reste comme ça, ça va être désagréable pour lui. Il va vouloir sortir, il va ouvrir forcément. Toujours. Je vais juste faire ça. Lever sa tête du côté où il y a mon coude. Boum. Ok, main au sol, et je fais juste un petit essuie-glace. Comme c'est ouvert, je peux faire l'essuie-glace. Petit essuie-glace, un petit mouvement, juste de l'autre côté du genou, et je vais me caler là, derrière son genou. Donc je continue à lever, et je vais poser mon genou gauche de l'autre côté. Un, boum. Ok, c'est un mouvement, je peux aller doucement. Hein. Poser mon genou, et je lâche pas la guillotine. Ok, quand je suis là, je viens juste m'asseoir, et le mouvement pour continuer à garder la tête, c'est juste ça. Je viens ouvrir, hop, comme ça. Je viens ouvrir, j'ai déjà la main en dessous et l'autre main, j'ai capturé son bras. Juste, je vais venir, ceinture, si je veux, obligé, et mettre l'autre crochet. Une fois que je suis là, je suis en bonne position pour soit l'étrangler directement, soit avec le col, soit si j'ai rien eu, il a fermé là. Mais j'ai déjà sa main, je suis dans le dos, j'ai les crochets, il y a sa main qui est morte. Et au pire, je peux l'enlever si je préfère. C'est pas grave, j'ai pris 3 plus 4. Enfin non, j'ai pris juste 4, pardon. Parce que je suis passé direct dans le dos. Mais j'ai quand même passé un moment. Juste là, et là, je peux commencer à travailler. C'est une petite variante. C'est très peu de mouvements, en vrai. C'est que des petits mouvements. On a fait, il a fait le sit-up. Boum, j'ai poussé, j'ai attrapé. Main au sol pour l'équilibre, j'aime bien. Si je commence direct à vouloir travailler comme ça, comme un bourrin, faire des gros knee slides ici, c'est pas bon. Je vais venir, main au sol, genou plexus, boum, ça va ouvrir ses jambes. Si ça ouvre pas, c'est pas grave, je peux patienter ici, je patiente, ça va s'ouvrir au bout d'un moment, c'est sûr. Ça va pas rester là très longtemps, parce que j'ai quand même la guillotine.